Alors, je sais pas s'il y a du monde, mais s'il y a du monde, bienvenue à tous. Est-ce que ça fonctionne? Yes. Alors. Donc ça, c'est un jeu que j'aime tout particulièrement. C'est Bubble Bubble. Donc dans Bubble Bubble, c'est un jeu de plateforme. On incarne un petit dragon. Et ce petit dragon doit capturer tous les ennemis et les détruire. Mais il crache pas encore du feu parce que c'est un petit dragon. Il crache des bulles. Donc c'est un classique de l'époque, faut faire un max de points et quand les bulles éclatent, ça fait 10 points. Donc plus on fait de bulles, mieux c'est. J'ai loupé la petite ombrelle. Alors, c'est un jeu où on peut jouer à deux. Sur l'Atari, c'est un jeu qui se jouait avec du coup les. J'ai bien loupé mon coup. C'est un jeu qui se jouait avec les joysticks. Et donc, j'ai bousillé pas mal de joysticks dessus à force de cliquer comme une malade pour faire des points. Alors, il faut savoir qu'il y a différents moyens de détruire les ennemis. Les bulles, c'est le classique. Mais ils se transforment en fruits qui rapportent en moyenne 500 points. Après, on peut les détruire avec les bulles d'eau qui apparaissent dans ce tableau. Plus les tableaux avancent, plus il y a des choses qui apparaissent. Et les petites fioles, comme ça, c'est des items spéciaux qui permettent de ramasser plus de points et d'arriver à terminer à un niveau sans avoir besoin de tuer les ennemis. Donc il y a un temps défini pour tout attraper. Selon les tableaux, c'est plus ou moins difficile. Et selon la couleur des petites fioles, ça fait des trucs qui font plus ou moins de points. Là, je pense qu'il va m'en manquer un. Je vais manquer de temps. Voilà. Il me manque juste une. C'est très frustrant. Donc les petits fantômes, ils sont pires que les petits robots parce que eux, ils crachent des espèces de boules. Ça fait mal. Alors là, je prends les lettres. Les lettres permettent d'écrire le mot extend sur le côté, qui permet de passer un tableau. À savoir que certaines lettres, comme le T jaune et le E vert, sont beaucoup plus dur à attraper parce qu'elle pop beaucoup moins souvent. Donc après on a un système de vie et de crédit. Quand on passe un certain palier de score, ça nous rajoute automatiquement des vies. Ah, j'ai de la chance là, j'ai toutes les lettres rares du premier coup. J'ai pas eu le temps de l'attraper.
Donc, après, pour faire plus de points, il y a certaines techniques. Par exemple, si, au bout d'un certain nombre de bulles, en fait, si on les éclate toutes en même temps que l'ennemi, on se retrouve des fois avec un fruit ou un diamant géant qui fait vraiment énormément de points. Alors là, avant de tuer les autres, je vais quand même essayer de récupérer le E vert. Voilà. Donc là, il me manquera plus que le X. Ça peut permettre des fois de passer un tableau qui est super dur sur lequel on reste bloqué, puisque effectivement, comme il n'y a pas de système de sauvegarde dans ce genre de jeu, quand on perd et donc. Vu le nombre de tableaux, des fois ça peut être très très compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est en difficulté croissante, bien sûr. J'aime bien ce petit item qui fige le temps. Il y a certains fruits qui valent plus que d'autres. Donc là, mon score a déjà commencé à rentrer dans le high score parce que j'ai dépassé les 100 000 points. Si jamais je perds cette partie et que je recommence, ce sera le high score qui sera affiché pour la prochaine. J'étais un peu suicidaire là. Alors ce tableau-là est pas évident parce que voilà, c'est très facile de se faire pourrir. Donc l'avantage quand les ennemis quand on les a avec de l'eau, c'est qu'ils se transforment en diamants. Donc ça fait plus de points. Et je viens d'avoir un petit souci de taille d'écran. Alors je vais mettre. Voilà. Tac. J'ai perdu mon écran. Voilà. Petit bug, mais c'est bon. On est reparti. Alors, à savoir que pour utiliser les crédits pour faire une vie supplémentaire, c'est pas toujours évident en fait. Essayer de. Bah voilà. Donc là, je vais cliquer frénétiquement et c'est bon, ça marche. Donc là, forcément, voilà, mes points sont repartis à zéro. Donc si, au bout d'un moment, si j'arrive pas à les avoir assez vite, on va passer en mode hurry up. Et donc ils vont se mettre à aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et il y a une baleine squelette qui va apparaître, qui est invincible et qui ne s'en va que soit si on a tué tous les ennemis, soit si on est mort. Alors bien sûr, il y a des stratégies qu'on peut développer quand on apprend à savoir par où passent les ennemis, etc. Et c'est beaucoup plus facile à deux. Donc là, j'ai eu le X. Donc grâce à ça, je vais passer directement à niveau.
Alors, quand on les a embullées et qu'on les a pas éclatées tout de suite, elles s'énervent beaucoup. Donc là, je vais essayer de faire un max de points en faisant plein de bulles. Voilà, on a le hurry up. Donc je vais le laisser un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, la baleine. Hop. Et là, on va essayer de les tuer. Hop. Avant de mourir. Voilà. Alors là, pour pouvoir sortir, le seul moyen, c'est de rebondir sur ces bulles. Voilà, j'ai pas le temps d'aller manger mes récompenses. Hop là. Je savais que j'aurais pas dû rentrer là. Donc faut d'abord que je me débarrasse de celle qui est à l'intérieur, ce sera plus simple. Donc... Ah merde. On va essayer de faire mieux. J'aurais bien aimé essayer d'avoir un gonfle. Ouh, ça c'est sympa comme item. Alors, cette petite croix, faut pas que je me fasse tuer. Cette petite croix permet de cracher du feu comme un vrai dragon. Et du coup, elle transforme forcément les ennemis en diamants. Ce qui fait beaucoup plus de points. Par contre, on peut pas faire du point après. C'est dommage. Donc ça dure qu'un tableau. Donc là, je suis revenue avec mes petites bulles. Donc ça, c'est le troisième tableau. C'est le tableau où il y a l'apparition des lettres. Le quatrième tableau, lui, a rien d'extraordinaire. Il est pas trop difficile. Ow. Après, il faut juste avoir le bon timing, pas être trop gourmand. Ah, on va essayer de prendre la bombe. Alors la bombe, ça va tuer tous les monstres du tableau. Et ça va les transformer en petits diamants. Des petits diamants, je sais pas si vous avez vu, ceux-là ils coûtent 7000, celui que j'avais en crachant du feu tout à l'heure avait un peu moins de valeur.
Donc vraiment apprendre à connaître les items, c'est vachement important pour savoir lesquels font le plus de points. On peut essayer de faire durer les tableaux pour faire plus de points. C'est plus facile des fois de prendre son temps dans un niveau facile pour faire plein de points, pour pouvoir passer les niveaux difficiles un petit peu plus vite. Alors, à savoir que les petits items, là par exemple, il y avait un petit bonbon, une fois qu'il n'y a plus d'ennemis, ils disparaissent. Les ennemis transformés en items disparaissent au bout d'un certain temps, mais pas forcément quand on a tué tout le monde. Ah purée, ouais, je dois avoir un raccourci de touche. Voilà, je me suis fait tuer. Il faut que je ragrandisse mon écran parce que là, c'est un mouchoir de poche et je n'y vois rien. Ouais, j'ai dû appuyer sur n'importe quelle touche tout à l'heure et j'ai fait apparaître le petit, le deuxième personnage. En soi, c'est pas catastrophique. J'arriverai jamais à l'avoir à temps. Si. Ça, pas de difficulté. Alors, je vais pas tuer le petit fantôme tout de suite pour pouvoir aller manger le petit château, les petits cristaux. Oh, je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est super bien. Si je me fais pas tuer avant. Voilà. La petite lampe du génie. Donc, selon leur couleur, elles ont des actions différentes. J'ai quand même un petit item qui n'a pas disparu, j'en profite. Voilà, 6000, le petit rubis. C'est pas mal, on va pas cracher dessus. Donc là, j'ai plus que 6 crédits, donc j'aimerais bien quand même arriver à en rattraper. Je vais essayer de faire des points. Hop. Alors ils sont énervés, ce qui est un peu dangereux pour moi. Voilà, on va essayer de prendre de l'eau. Le problème dans ce tableau, voilà, c'est qu'on contrôle pas forcément où on atterrit. Et des fois, on atterrit à un endroit dangereux. Oula, je vois une petite ombrelle. Alors ça, c'est génial. Donc les ombrelles, ça permet de passer des tableaux. Et selon leur couleur, ah, je l'ai pas eu, attends. Ça donne le nombre de tableaux qu'on peut réussir à passer.
On va les vaincre avant d'avoir le hurry up. C'est parfait. On va essayer d'avoir le petit diamant. Voilà. C'est parfait ça. Un verre, un verre. Il me le faut. Et ta-da-da-da, Extain. Coucou chouchou. Je suis contente de pouvoir te faire découvrir Bubble Bubble depuis le temps que je t'en parle. Donc là, je suis déjà au 12e tableau. Après quelques morts. Ah! Et voilà. Je suis plus trop concentrée. Alors, on va essayer d'avoir... Ah là, trop tard. J'ai pas eu le temps d'avoir la bombe. Ça m'aurait arrangé pour ce tableau-là, c'est plus facile. Une baleine peut en cacher une autre. Alors, je me souviens plus exactement de leur passage. Faut que je réapprenne un peu. Ouais, c'est trop mignon. Et j'ai commencé à y jouer, je pense que j'avais 5 ans. Donc je suis restée une vraie femme fan depuis. Bien sûr, j'ai un peu perdu la main. Donc c'est un jeu, n'importe qui peut y jouer, puisque maintenant il est passé dans les abandonware. Donc du coup, si jamais ça vous tente, il suffit d'installer un petit émulateur. Pour le coup, c'est des jeux qui prennent pas de place et qui demandent pas des machines avec des grosses ressources. Donc c'est accessible à tous. Ah, on va essayer de prendre la petite croix de feu. Tcha. On va pas louper la banane. Et voilà. Bon, je sais que ça fait pas de points quand je crache des flammes, mais ça me fait plaisir quand même. Ouais, quand tu veux. Le plus sympa, c'est de pouvoir... je sais pas si on peut faire à distance, mais quand on est à deux, on peut paramétrer le clavier pour avoir chacun ses touches et pouvoir faire les deux petits bonhommes en même temps. Ouais, y a pas de souci. Ouais, je t'aiderai. Tu verras, c'est hyper simple et rapide. Et en plus, c'est que des trucs gratuits. Pas de licence. Ok. Je te remercie. Je vais me faire écrabouiller. Je veux ma pêche! Ah, trop tard. Ah, j'ai encore ce bug. Alors, faudrait que j'arrive à résoudre ça. Tac. Bon, j'ai réussi à pas mourir pendant le bug. J'ai ma fenêtre qui se met en miniature.
Ce qui rend les choses très compliquées. Alors, je vais essayer de faire plein de bulles. Parce que j'ai bien envie de me tenter quand même le gros fruit géant. C'est pas forcément le meilleur tableau pour faire ça. C'est mieux avec un tableau où elles peuvent toutes bien se réunir en haut. Wouhou! Ça risque de devenir compliqué. Oh, un vert. Il me le faut. Ah, j'ai pris trop de risques. Mais pour un vert, ça valait le coup. Ouais, des petites glaces. Donc là, c'est un exemple quand il y a plein de bulles qui restent dans certains tableaux. Les bulles se transforment dans des petits items qui font des points. Donc bien sûr, c'est quasiment toujours que des trucs qui se mangent. On voyage plus vite comme ça. Petit sucre d'orge. Voilà, on a loupé sa boule. Waouh! J'ai eu chaud aux fesses. Ouais, j'en ai! Mais j'arriverai jamais à l'avoir. Alors peut-être en sautant assez haut. Ouais! Donc effectivement, il n'y a pas que par les petits trous qu'on peut passer du bas au haut du tableau. Si on arrive à sauter suffisamment haut, on peut le faire n'importe où. Il faut toujours bien penser à utiliser ces bulles comme on peut, que ce soit pour se déplacer ou autre. Ouais, on est à une époque où les licences et tout ça, ils sont préoccupés pas trop. Donc ouais, on a des paquets de frites de chez un célèbre clown qui apparaissent. J'ai été suicidaire. Ok. Ah, c'est pas terrible, c'est pas terrible. On va essayer de faire mieux. Faut absolument que j'arrive à dépasser ce high score. C'est pas possible.
Là, j'essaye de choper les bananes les plus vieilles en premier. Avant qu'elles disparaissent. Pas le tuer tout de suite pour avoir le temps de faire un peu plus de points. Voilà. Donc n'importe quelle paroi peut servir pour faire les bulles. Même si on peut, si on joue à deux, on peut le faire sur son coéquipier. Alors, je crois que j'ai jamais vu autant de E vert et de T jaune en une seule partie. Je trouve ça hallucinant. D'habitude, c'est impossible à choper. Au point qu'on prend des risques pas possibles pour les avoir. Petit peu de points, c'est toujours bon à prendre. Hey. Dangereux les fantômes. Pas les sous-estimer. Alors, je crois qu'il y a un truc aussi par rapport au temps que l'ennemi passe dans sa bulle, il peut rapporter plus ou moins de points, il me semble. J'ai encore eu un petit bug, désolé. On va essayer d'avoir, voilà, la petite croix bleue. Voilà. On a noyé tous nos ennemis. Et on arrive à faire des bulles sous l'eau. Aucun problème. Donc ça y est, j'ai passé les 100 000 points. Si je continue comme ça, je vais pouvoir dépasser mon high score. Alors il y a certains items qui permettent de faire des bulles
et de se déplacer beaucoup plus vite aussi. Donc je pense qu'il y a des sucreries qui rendent les dragons hyperactifs. Alors là j'ai eu un truc qui... Ah par contre j'ai un bug. J'ai eu un truc qui les arrête pendant un certain temps. Mais par contre, voilà, quand ils reviennent, ils sont un peu furax. Bon, moi le fait d'être morte, ça a mis fin au mode re-up. Voilà. Bon, on n'est pas très loin des 14 000. On va essayer de faire un maximum de tableaux. J'aimerais bien pouvoir vous montrer aussi les chauves-souris. Parce que maintenant vous avez vu les fantômes, les baleines, les robots, mais il y a plein d'autres ennemis. Alors, et si on essayait d'attraper la petite bombe? Trop tard. Il y a certains items qui restent vraiment pas affichés longtemps, donc faut être rapide. J'ai au moins réussi à avoir le high score, c'est déjà ça. Hop, et voilà la petite dernière. Alors celui-là il me donne un peu de mal. Celui-là en fait il est beaucoup plus facile à deux parce qu'on se met chacun d'un côté et on peut tuer chacun ses baleines. C'est quand même nettement plus simple. Et comme j'avais l'habitude de faire des stratégies à deux. Maintenant il faut que j'arrive à retrouver des nouvelles stratégies. Hop, allez. Ouah, voilà, je me suis fait bousiller. Donc celui-là, on élimine d'abord les deux à l'extérieur. On perd pas de temps, sinon ils vont nous embêter. Ça va nous permettre après de nous concentrer pour essayer de faire passer des petites bulles d'eau dans le cœur. Alors à savoir que c'est plus facile quand elles viennent du côté gauche, parce que côté droit, elles ont tendance à se déclencher du mauvais côté. Côté gauche, elle se déclenche plutôt vers l'intérieur. Je l'ai pas vu passer. Non! J'ai pas été assez rapide. J'ai cliqué pourtant frénétiquement, mais ça n'a pas suffi.
Alors pour ceux qui regardent, si vous voulez participer dans le chat, il n'y a aucun souci. Il est juste réservé aux followers, donc suffit de suivre la chaîne pour pouvoir échanger avec tout le monde. Secours! Allez, pour le plaisir. Et pour que ça rapporte un peu plus de points. Allez, la petite bombe. Voilà. Ça, c'est du travail bien fait. Encore un verre, mais je suis vraiment vernie aujourd'hui. La banane, voilà. Je le savais. Je vais pas avoir la petite croix de feu. Si, si. Ah, je l'ai pas vu venir. Un fantôme. Donc là j'étais vers le citron parce que quitte à pas avoir le temps de tout prendre,
Je prends ce qui rapporte le plus de points. J'ai fait suffisamment de bubules pour que mes petites bubules se transforment toutes en fruits. J'ai cru que j'allais me faire, que j'allais me prendre la baleine. Petite glace. Hop. Ça, c'est toujours bon à prendre. Le monde est tellement dangereux pour un petit dragon. J'ai pas craché assez vite. Donc là, vu que c'est le premier stream, j'ai choisi de faire un format que d'une heure pour faire les petits réglages et les petits ajustements dont il y aurait besoin, vu que j'ai peut-être pas encore fini de tout configurer. Donc je mettrai le stream en rediffusion pour que ça fasse du contenu sur la chaîne et qu'on voit un petit peu le genre de contenu que je vais diffuser. J'en profite du coup pour remercier Yumi qui m'a bien aidé pour la configuration et Chouchou qui m'aide aussi et qui m'a permis d'avoir beaucoup d'idées. Donc j'espère que j'arriverai au fil du temps et de la prise en main de Twitch et de tous les... de tous les petits trucs en rapport à faire quelque chose d'une chaîne qui soit pertinente, intéressante. Donc là, j'ai pas programmé beaucoup de live. Après, j'en ferai peut-être qui sont pas prévus ou autres. La prochaine fois, je pense que j'essaierai. Je présenterai un autre jeu, sûrement. Même si celui-là reste dans mes favoris. Tant que j'ai pas atteint la fin, je continuerai.
T'es distraite. Je veux le petit item. Je veux. Essayer d'expédier le tableau numéro 7 qui est pas trop dur. Je bulle super vite. On va faire plein de points. Je le veux. Ouais. Ta-da. Ta-da. Perfect. Ouais. Ça fait des points. Donc là, avec ma fréquence plus élevée de bubules, normalement je vais m'en sortir. Faut pas que je meure, parce que sinon je vais perdre cette faculté. Et j'y tiens trop. Donc là, c'est trop dangereux, j'y vais pas. Alors ça, ouais, c'est un item. Voilà, il va... S'il tape sur les ennemis, il les tue. J'aimerais bien que l'ennemi se le prenne, mais je crois que le robot n'est pas décidé comme l'item a une durée de vie limitée. Il va falloir que je bouge avant de me faire piéger par la baleine. Bon, ça commence à ressembler à un high score. On est qu'au tableau 11, on peut mieux faire. Je vais buller au ralenti maintenant, c'est malin. Oh, je veux l'ombrelle. Je la veux, je la veux. Alors, la bleue. 1, 2, 3.
C'est pas la meilleure, mais c'est déjà pas mal. Alors ce tableau-là, il est assez rigolo. Peut se servir du décor. Il y a des endroits où les monstres vont pas. Ça peut permettre d'être un peu protégé. C'était pas ce que je voulais faire. Éclater. Plus qu'une. Ah, c'est bon. Safe. Bientôt l'heure de la fin du stream, mais je pense que je vais déborder un peu vu que je suis pas encore game over. Alors, ce tableau-là, il n'y a pas forcément beaucoup de méthodes de le finir. En général, on peut attendre qu'il y ait des bulles qui passent. Là, c'est trop tentant, je voudrais essayer. Voilà, non, c'était risqué. Je voulais absolument l'ombrelle violette, c'est la meilleure de toutes. Si je me souviens bien, elle fait passer 7 tableaux d'un coup. Mais bon, j'ai pris trop de risques. Je crois que ça y est. Et voilà, game over. Bon, on va être dans les temps du coup. Et voilà. Bon, on a réussi à faire des high scores, à dépasser les 200 000. C'est déjà mieux que rien. Merci pour avoir regardé. J'espère que ça manquait pas trop d'intérêt. Et à une prochaine fois. Bye!